Salut à tous les amis, c'est Romini DS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario 64. Alors aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre progression dans le jeu. Donc il ne nous manque plus que 11 étoiles avant la fin de ce let's play. Et donc aujourd'hui, on va commencer, eh bien, par ce niveau. Alors je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que c'est un niveau un peu compliqué comme vous pouvez le remarquer, niveau 12. Escalader la montagne et le niveau s'appelle Trotte Montagne. Alors on va voir. Donc déjà il y a des Goombas, il y a une étoile là-bas. Je sais pas trop comment on peut l'avoir pour l'instant. À mon avis il va falloir le canon. Wow 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 wow, c'est bon. Ça passe. Tac. Bon pour l'instant ça va. Ça va, ça va. Toi, hop. Je vais essayer de passer ici. Voilà. Maintenant, je vais monter au-dessus. Est-ce que tu veux bien? Ouais. Hop, voilà. Non. Remonte là, s'il te plaît. Voilà, parfait. Maintenant, on va monter où il y a la pièce rouge. Tac. Hop, voilà comme ça. On va continuer notre ascension. À grand coup de saut périlleux arrière. Si toutefois tu sautes dans le bon sens. Hop. Hop. Alors là pour comment faire? Eh bien je ne sais pas. Déjà je vais exterminer un petit peu la population de marmottes parce que là ça commence à me gaver. Toutefois j'arrive à les toucher. Voilà, parfait. Toi. Toi tu meurs. Non même pas. Toi tu meurs. Voilà. Toi tu ne meurs pas. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu meurs. En fait je crois qu'elles sont invulnérables, donc on va pas trop s'acharner dessus. On va monter ici, ça sera un peu plus simple. Voilà, allez, comment je t'ai snobé en sans absolument rien. Alors là, j'imagine qu'il faut y aller en sans longueur. Voilà. Hop, après, on saute ici. Parfait. On va choper la petite pièce parce que là, on n'a plus de vie. Alors, hop, on monte là. Tac, tac, parfait. Hop. Aïe. Bah, mais oui. Mais oui. Mais non, mais tout à fait. D'accord, bon bah ok, on vient de mourir, mais alors genre mais quelque chose de bien quoi, on vient de faire une chute absolument gigantesque. Est-ce que tu veux bien rentrer s'il te plaît? Merci. C'était assez... assez, comment dire... assez humiliant, on va dire. Ouais, par contre, non, je pense que c'était surtout un peu buggé, parce que ça se fait pas trop là, ce qui vient de se passer. Ouais, alors non, si tu commences à faire ça... Le premier t'avais le droit de te louper mais là t'as pas le droit. Hop. Bon. Les pièces rouges on les fera juste après. Parce que je pense que on... c'est une étoile pas trop compliquée à avoir. On va faire les pas trop durs hein, parce que sinon vous aurez zéro étoile par épisode. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. J'aimerais la caméra s'il te plaît, merci. Non, alors là, s'il te plaît, tu meurs pas comme un idiot. Hop. Écarte-toi du mur, bande. Mario, il a envie de faire l'amour à des murs, là. Alors. Hop, tac. Voilà, parfait. C'est une blague. Hop, voilà, parfait. Tac, ici, allez. Cette fois-ci, on va pas faire les marioles, on va la jouer sécurité. Voilà, comme ceci. Bon, allez, donc. Qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-ci? Oh là, encore un saut en hauteur, un saut en longueur, hop. Parfait,
magnifiquement bien géré de ma part. Je suis assez fier de moi là pour le coup. Alors, hop. Bon, je ne sais pas ce que ça faisait l'espèce de bouton, mais pour l'instant, on ne va pas s'y intéresser. On va essayer de monter tout en haut, ce qui risque d'être assez compliqué avec cette caméra qui marche très très bien. Voilà, parfait. Eh ben non. Ah. J'étais bien parti pourtant, mais je me suis un peu empressé. Chose qu'il ne fallait probablement pas faire. Voilà. Là, je sais pas pourquoi je suis retenu au sol. Probablement parce qu'il y a des lianes. Bon, cette fois-ci, on va essayer de la passer rapidement mais sûrement. Enfin, rapidement. Voilà, parfait. Allez, hop. On monte un peu. Encore un tout petit effort. Voilà. Est-ce que tu veux bien l'attraper, s'il te plaît? Merci. Et voilà, 60e étoile, mesdames et messieurs. Enfin, nous arrivons dans les 10 dernières. Donc, ce let's play se terminera dans très peu de temps, à partir de maintenant. Je pense que c'est l'affaire de 3-4 épisodes, donc pour vous 3-4 semaines. Mais bon, voilà, mystère de la cage du singe. Alors là, non, désolé, mais ça va pas être possible, on va pas faire ça. On va faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les pièces rouges. Ça m'a l'air assez facile. J'ai bien dit assez, parce que rien que là, je le sens pas trop, voyez-vous. Ouais. Voilà, comme je disais, je le sentais pas trop. Bon. Faut bien que ça arrive, hein. Bon, on va tenter une deuxième fois. Et puis après, il y a une autre étoile qu'il faudra qu'on fasse. Malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir assez de vie pour la faire, la deuxième. Parce que comme vous pouvez le remarquer, je suis à 2 vies. Et ça va être assez compliqué si je veux faire tout ce que je veux pour cet épisode. Ouf. Je refais ça le prochain coup. Non, ça va. Alors, hop. Ça, c'est fait. On va assurer le coup. On va se mettre là. Pouvoir faire le tour. Afin de, ici, sauter plus largement. Voilà, parfait. Alors, le problème, ça va être ici. Vais-je réussir sans mourir? Eh bien non. Bon, on va jusqu'au game over, hein, tant pis. Au point où on en est, c'est pas bien grave. Le problème, c'est ce tout petit champignon là, je sais pas si vous l'avez vu par contre. Par contre. Ah ben voilà, c'est ce qui me semblait. Il y a une vie ici en fait. Que voilà, merci. Donc en fait, on va pas aller jusqu'au game over, voyez-vous. Alors non, parfait. Allez, non, voilà, tu sautes ici, tu reviens sur la plateforme. Enfin, sur le truc de base. Ici, tu sautes là. Voilà. Là. Hop. D'accord, il vient de lâcher complètement. Bon, tant pis, les pièces rouges, on les fera plus tard. Voilà. J'ai envie de progresser, mesdames et messieurs. Mystère à la case du singe. est-ce qu'on va faire cette étoile là ou pas? Non, on va en faire une autre. Oui, je sais, je suis assez... Je ne sais pas ce que je veux. Alors, on va aller par là. On va prendre la vie qui est ici. D'ailleurs, on n'est pas allé chercher l'autre.
Voilà, parfait. Là, on essaie de pas mourir, voilà. Et on va aller attraper une étoile qui est plus ou moins secrète. Par contre, il faudrait juste qu'il arrête de glisser là, parce que c'est embêtant. Je vais me mettre en vue arrière et je vais tourner la caméra, voilà, parfait. Je vais tourner la caméra. Hop. Bien joué. Tac. Tac. Voilà. Tac. Wow. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va sauter ici. On va prendre la vie. Voilà. On va essayer de pas tomber dans la cascade, sinon on n'est pas arrivé. Hop, voilà, parfait. Et regardez ici. Vous voyez, quand je m'approche, ça fait une espèce de secousse. Donc, eh bien, en fait, il y avait un passage secret ici. Alors, qu'est-ce que... Bonjour. Ok, là, il y avait une pièce, et là, un champi de vie. Eh bien, décidément, nous qui en cherchions, là, on va être gardés. Voilà, parfait. Alors, maintenant qu'on a retrouvé nos 4 vies, on va tester ce plus ou moins mini-jeu, qui est assez compliqué, vous allez voir. Ça va vous rappeler des souvenirs des premiers épisodes. Parce que oui, en effet, c'est une glissade. Si on peut appeler ça une glissade. Qui est assez compliqué, comme vous pouvez le voir. Bon, là, je viens de lamentablement me foirer. Mais bon. Voilà, allez, meurs, s'il te plaît, merci. Bon, on va la refaire, de toute façon, on va respawn dedans, normalement. Donc, il y aura la vie qui sera à disposition. En fait, finalement, on va gagner plus de vie qu'on va en perdre. Enfin, un peu plus, je sais pas. Voilà, hop. Waouh, 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 waouh. Voilà. On est parti à 6 vies. Allez, allez, là, je tourne serré. Voilà, parfait. Hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon, tac. Notre vie. Là, je vois des flèches, je les suis. Ah oui, non, c'est bon, j'ai réussi à maîtriser ce saut qui a failli me coûter la vie. Là, ici, ça tourne. Vous pouvez voir, c'est quand même un autre niveau. C'est quand même d'un autre niveau par rapport à celui qu'on avait fait dans les premiers épisodes. Et nous y sommes arrivés. Bon, et bien voilà, deuxième étoile qui se sera déroulée sans trop d'encombre, on va dire. Voilà, hop, 61 étoiles, nouveau record. On va essayer d'en faire une autre. La cage du singe, on va essayer de la faire. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense que maintenant, mais à l'épisode précédent, je vous avais dit que j'allais essayer de faire quelque chose pour apporter un peu de nouveauté. Et le seul problème, c'est qu'en fait, je ne peux pas, puisque j'ai une version française, enfin, européenne, entre guillemets. Et pour faire ce que je voulais, il m'aurait fallu une version anglaise. Donc désolé, mais ça va pas pouvoir se faire. En fait, j'avais pour idée de changer les couleurs de Mario. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, c'était ça que je voulais faire. Le problème, comme je viens de vous le dire, c'est que il fallait une version anglaise et que je suis en train de jouer à la version française. Et donc je n'ai pas envie de reprendre toutes les étoiles juste pour faire ce changement. Donc c'est pas bien grave. On gardera les couleurs officielles. Hop. Donc j'imagine qu'il faut remonter en haut. Voilà, c'est un peu foireux ça, mais bon, ça va. Allez. Il y a toujours cette étoile ici qu'il faudra qu'on essaye de prendre juste après.
Ça risque d'être un peu complexe encore, cette histoire, mais ça devrait bien se passer. Oh, ben voilà l'étoile. Alors, le passage le plus compliqué, surtout avec cette caméra. Hop, je passe en vue arrière, c'est vachement plus simple. Je vais pas trop vite. Voilà, parfait. Hop, c'est bon, on est remonté en haut. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Bonjour, bonjour, bonjour. Aïe. Il y a un Ouistiti. J'imagine qu'il faut l'attraper. J'imagine qu'il faut l'attraper. Non, toujours pas. Depuis qu'on essaie de choper le lapin, on n'est toujours pas au point. Ouais, alors là par contre. En fait, il faut qu'au moment où je saute, je me tourne dans la direction où il saute et puis je le prends à ce moment-là et du coup il peut plus rien faire. Là je ne sais pas ce qu'il fait. Ah! Eh ben dites-moi, il est un peu compliqué celui-là. Hey! Hey! Ah dommage, j'ai failli l'avoir. Ah! Ah! Il se retourne pas assez vite en fait le Mario. Là, hop. Non, dommage. Et là, hop. Non, dommage. Désolé, je parle pas beaucoup, j'essaie de me concentrer sur ce petit singe. Ah! Ah, il l'a pas frappé, c'est dommage. Alors attendez une seconde. Voilà, parfait. Bonjour. Je blaguais et tu n'as aucun sens de l'humour. Lâche-moi et je te donnerai un truc cool. Ça marche? Ok. Eh, vous avez vu comment je l'ai maîtrisé le petit là? Hein? 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 Tu vois, tu faisais le Mario là? Hein? Hein? Bah maintenant tu vas bien te faire foutre. Ok. Allez, saute. Enfin... saute. Nihihihi, si tu le dis. Là, wow. Mais que fait-il? Oh mon dieu, il est tombé avec. Ça se trouve, il est mort. Allez, on descend. Yahoo. Ow. Ta-da-da-da-da-da, 62e étoile. Bon, on a juste le temps pour faire une petite dernière dans ce niveau encore une fois. Désolé, là, la diversité ne sera pas énorme, mais tant que bon, je suis lancé, je vais continuer. Pièce rouge sur champion, hein, c'était celle qu'on voulait faire tout à l'heure. Mais on ne va pas faire celle-là. Après, dans les prochains épisodes, on fera peut-être un autre épisode encore sur ces niveaux ici. Et puis après, on passera au dernier niveau. C'est-à-dire les niveaux les plus durs. Où là encore on va bien galérer à mon avis. Et puis on va donc se battre contre Bowser. Et afin de finir ce let's play. Alors, tac. Hop, tac, tac, boum. Voilà, parfait.
Yeah. Hop. Alors cette fois-ci, on va faire l'étoile qui est dans la cascade. Donc cette étoile promet d'être très faileuse, si ça se dit. Voilà. Vous allez comprendre ça tout de suite. En fait, il s'agit de... Bon, déjà, là, rien ne se passe, tout va bien. C'est la joie. C'est les Goombas. Voilà, parfait. C'est là où ça va commencer à se compliquer. Alors, il va falloir que j'appuie sur ce bouton. Et l'instant d'après, il va falloir que j'aille là-bas, au niveau de la cascade, et que je saute à un timing précis pour que je puisse tomber sur la case et enfin récupérer l'étoile. C'est assez compliqué. Vous allez essayer de comprendre avec moi, avec la caméra qui tourne tout le temps aussi. Hop. Et ben non, ça passe bien. Ça va. J'ai maîtrisé pour le coup, ça va. Bon. Et bien voilà, ce qui nous fait 63 étoiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va monter à l'étage. Donc là, normalement, je devrais pouvoir l'ouvrir. Voilà, parfait. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Et nous y voilà. Le dernier étage avant l'affrontement contre Bowser avec un petit Toad. Bonjour petit Toad. J'ai dit bonjour petit Toad, bonjour. Cette grosse horloge est étrange. Fais attention à la position de la grande aiguille lorsque tu sautes à l'intérieur. Au fait, regarde ce que j'ai là pour toi. Et oui, c'est effectivement ce que je voulais faire. C'était gruger une dernière étoile pour cet épisode. Ce qui nous fera 5 étoiles. Alors... je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour les épisodes suivants plutôt. Alors, je vais probablement attraper une voire deux étoiles dans le niveau que vous pouvez observer au-dessus, où il y a deux entrées là. Et je vais donc essayer d'en attraper une ou deux, à voir. Ici, je vais essayer d'en choper aussi une ou deux. Ça nous ferait, on tomberait à 68. Et après, on irait probablement dans le monde des... dans ce monde-là, on n'a pas fait beaucoup d'étoiles, mais bon, c'est assez compliqué, donc je sais pas si on va en faire. Je vais probablement aller dans le niveau des petits géants. Parce que c'est un niveau que j'adore particulièrement. Ce niveau, c'est probablement mon niveau préféré de ce jeu. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer dans le prochain épisode. En attendant, ben, donc je vais vous dire à la prochaine. Et désolé pour la semaine dernière, j'ai pas pu mettre cette, une vidéo de Mario à cause des problèmes que j'ai évoqués dans l'épisode de Dragon Quest. Et j'ai mis toute une après-midi pour les régler. Et le problème, c'est qu'après, ben, je n'ai pas eu le temps pour filmer l'épisode de Mario. Donc, eh bien, je n'ai pas pu voilà, le filmer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et donc, en attendant, ben, je vais vous dire à la prochaine. Et je vais vous dire à plus tout le monde. Et la prochaine fois, donc, on va essayer ces niveaux-ci. Je pense qu'on risque de bien galérer. Allez, salut à tous les amis !